sûr que la pêche au saumon, ça a débuté il y a très longtemps. On parle bien sûr des Micmacs, qui ont été les premiers à utiliser la rivière Matapédia. Donc, un cours d'eau, c'est les racines souvent d'un peuple, des habitants d'une région. Donc, les Micmacs ont utilisé beaucoup la rivière comme moyen de transport, mais aussi pour se nourrir. Par la suite, avec l'avenue du chemin de fer, la pêche au saumon a vraiment débuté de façon sportive dans la région. Donc, le premier qui s'y en est intéressé, c'est Lord Mountstephen. Lord Mountstephen était le président du Canadian Pacific Railway. Stephen s'est pointé ici et a acheté ses premières terres à Kosciuszko. Il a acheté la maison de David Riley, qui était le gardien du chemin Kent à l'époque. Et par la suite, en achetant plusieurs terres, les droits sur la rivière Matapédia, il a débuté son camp de pêche. Il a fait construire le pavillon où nous sommes présentement. Il a reçu plusieurs personnalités, entre autres de la royauté, comme la princesse Louise ici, qui était la fille de la reine Victoria. Ici, les clubs privés pouvaient acheter la rivière, les droits de pêche sur la rivière. Donc, c'était vraiment privé. Et ce qui, au fil du temps, a créé quand même beaucoup de conflits ici dans la région et partout ailleurs au Québec concernant la gestion des ressources fauniques. Avec la population et les Québécois au fur et à mesure que les territoires se développaient. Le Matamadja Salmon Club a débuté en 1905. Donc, la période forte du club ici, c'était le 20e siècle. On pourrait dire qu'en 1905 et 1940-45, tout se passait vraiment au club, au pavillon, tout ça. Par la suite, le club a bougé vers le lac Cazo et ça l'employait quand même jusqu'à 30 à 40 personnes, plus les guides, tout ça. Donc, il y avait vraiment une effervescence. Pierre Damour, je suis guide de pêche et sur la rivière Matapédia. Guide de pêche, c'est un pont, c'est-à-dire entre le milieu naturel et le pêcheur. Donc, les gens nous embauchent pour qu'on fasse le pont entre le saumon et leur canne à moucher. Est-ce que c'est une activité de bonheur? Donc, on a des gens qui cherchent le bonheur. Donc, on n'est pas ici en train de débattre de grands défis planétaires. On est ici sur l'eau pour avoir du plaisir, ce qui est un grand privilège pour gagner sa vie. Bien, ça vient d'un peu partout. On a des clients réguliers là, qu'on guide depuis 15-20 ans. On a des clients qui, malheureusement, on les a pris de la retraite jusqu'à la fin de leur vie. Donc, on les a vus terminer cette étape de leur vie. Mais on a aussi des clients qui viennent autant d'Europe que du village ici à côté. On a des gens, j'ai guidé en début d'année deux fois des clients de l'Angleterre qui sont venus pour pêcher le saumon sur la Matapédia. Donc on réalise que, même des fois qu'on l'oublie, mais on réalise qu'on a ici un bijou précieux qu'on doit protéger puis développer le plus possible. Quand tu piques un saumon puis tu le rentres pour la première fois, c'est comme une shot d'adrénaline, non, d'héroïne. Une shot d'adrénaline aussi, mais d'héroïne dans la salmonite qu'on appelle. Okay. Tu pognes la maladie de la salmonite. Je m'en viens pêcher du saumon. Il y a beaucoup de craintes associées à tout ce qu'on nous parle de réchauffement climatique, etc. Mais on a juste besoin d'un saumon pour être heureux. Donc, on va à la pêche. Puis c'est un métier d'espoir, donc on lance. À chaque lancer, c'est possible. À chaque fois qu'on refait un lancer, on se dit « Ah, cette fois-ci ». Puis à un moment donné, le saumon nous surprend, puis on est les êtres les plus heureux sur la Terre. On a même, en fait, un moment d'allégresse.
Le saumon, c'est ça qui amène l'âme dans la vallée de la Matapédia. Sans saumon, ça serait assez dénaturé. J'ai la chance de rencontrer des pêcheurs de la Nouvelle-Écosse qui, eux, ont jadis connu des rivières semblables aux nôtres. Puis aujourd'hui, à cause des pluies acides puis d'autres problèmes, réchauffement climatique, ces gens-là ont perdu leur rivière, puis il n'y a plus rien aujourd'hui. Puis ces gens-là, je les guide, puis ils me parlent de leur rivière, de leurs souvenirs, et tout ça a disparu. Alors des fois, je regarde ces vieux hommes-là, puis par leurs yeux, je vois ce que j'ai, ce à quoi j'appartiens, la culture du saumon. C'est incroyable, la confrérie entre les guides, mais aussi entre les gens qui viennent un peu partout sur la Terre. On devient amis avec eux. Donc, perdre le saumon, ça serait perdre toute cette énergie humaine-là, cet amour-là. Puis ça serait un grand malheur pour nous tous. La Matapédia, ça fait partie des rivières au Québec à gros saumon. OK? C'est pas parce que je tiens absolument à en prendre toujours juste des gros, mais Matapédia égale également la Kosciuszkaal dans laquelle ils montent des très gros saumons. Puis la Matapédia, c'est un tributaire de la Restigouche qui est juste derrière nous. Ça se rejoint ensemble. Puis c'est réputé au monde pour une rivière à gros saumons. La CGRMP embauche 75 personnes annuellement. Bien évidemment, autour de ça, d'abord, c'est 2,5 millions de dollars là, directement. Et on dit que les retombées économiques à la pêche au saumon sont évaluées à environ à 700 quelques dollars par jour par pêcheur. Donc, on comprend que c'est des millions qui sont investis dans la région. Bien, dans la région, c'est une culture, la pratique de la pêche au saumon, parce que ça fait partie des racines des gens. Et les gens pratiquent la pêche au saumon et c'est une passion. La rivière Matapédia, c'est très émotif aussi pour les gens. Par exemple, en ce moment, la ressource versus le Matamaja Salmon Club, au début des années 1900, la ressource était très abondante, les saumons étaient très gros. Aujourd'hui, la pêche au saumon, c'est vraiment plus la même chose avec les changements climatiques, la surpêche en haute mer. Comprendre qu'un saumon de l'Atlantique va partir de sa rivière natale. Ici, c'est la rivière Kosciuszkaal ou la rivière Matapédia, va se diriger dans l'Atlantique après environ 2 ans dans la rivière et va s'en aller dans le secteur du Groenland, se nourrir, grossir et revient pour la frais pour se reproduire dans sa rivière natale, ce qui est quand même exceptionnel. Donc, les gens qui pêchent un saumon, c'est un saumon qui est allé jusque dans l'Atlantique, très loin, mais il y en a très peu qui reviennent de nos jours. Oh, c'est indéniable une culture du saumon, puis je dirais que c'est au fil des années. Au début, on ne sait pas, on est là, on vient pêcher le saumon, puis à un moment donné, on a la piqûre, puis à un moment donné, on réalise que c'est essentiel à notre vie d'avoir cette culture du saumon, parce que c'est pour ça qu'on se lève à 6 heures du matin, on va à la pêche, puis qu'encore à 9h30, on est sur l'eau, puis on fouette. C'est vraiment précieux. Puis après ça, la dure hiver arrive, puis là, on crée un manque. Puis on a hâte déjà l'année suivante que l'été revienne et les saumons et les clients pour recommencer à vivre. Notre intérieur profond est touché par le contact, le combat difficile avec un gros saumon. Puis c'est pour ça que le saumon, c'est une sorte de médicament. Puis nous, on a le privilège comme guide d'être ceux qui permettent l'accès à cet animal fantastique-là. Puis je me dis que tant qu'on aura des saumons, la vallée pourra soigner plein de gens. Il y a des travaux à réaliser pour s'assurer que la population de saumon ne diminue pas, qu'elle soit stable, mais idéalement qu'elle augmente. Selon moi, la rivière pourrait supporter beaucoup plus de saumon et j'espère qu'un jour, on saura faire les bons choix. Mais quand même, il y a quand même une population sur la rivière. Puis si on est vraiment sincère, les pêcheurs, comme les guides, comme les différents représentants des communautés, il faut serrer les coudes. Et aussi avec nos amis Micmac, qu'il ne faut pas oublier, qui font partie de l'équation. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble pour le sauver. Et c'est ça la beauté du saumon. C'est que le saumon nous force à sortir des sentiers battus et apprendre à vivre ensemble. Donc le saumon a aussi un rôle de ciment entre les différents groupes, les communautés. Pour assurer sa survie, on devra apprendre à vivre ensemble.
l'historique dit qu'entre 3000 et 5000 saumons vont remonter. Ça se rend quand même au-delà du lac Matapédia dans la rivière Causabscale. Donc, on fait des décomptes, mais on fait des décomptes en plongée ou encore à la vue. Et bon, on n'a pas de système de comptage sur la rivière Matapédia. Donc, on n'est pas en mesure de dire quelle quantité précisément vont franchir la rivière Matapédia. Dans un monde parfait, cette année, si on avait 5000 saumons qui remonteraient la Matapédia, on serait excessivement heureux. C'est les inventaires en plongée qui vont nous permettre, à mi-saison, c'est-à-dire à la fin juillet, puis à la fin de la saison, avant la fraye au mois d'octobre, qui va nous permettre de savoir l'état de la situation. Mais soyons des êtres enthousiastes, puis espérons, puis continuons à travailler fort, chacun à notre façon, pour assurer la survie de l'espèce. C'est une communauté, la pêche au saumon. Alors, c'est des gens qui sont contents de se voir, qui deviennent instantanément amis, souvent de fois, qui se revoient sur différents plans d'eau du Québec. Donc, avec ces arrivées-là, là, de groupes comme ça, c'est venu apporter une jeunesse. La pêche au saumon, présentement, va bien. Les gens ont adopté la nouvelle façon de faire aussi avec les plans de gestion qui l'a remise à l'eau, les grands saumons. C'est prometteur pour l'avenir, c'est rassurant. J'ai de l'espoir. Je connais des gens autour de moi, vieux et jeunes, qui ont beaucoup de volonté. Je vois des jeunes hommes, des jeunes filles déjà qui portent une attention à la pêche au saumon. Je vois des personnes plus âgées qui, elles, ont vécu des moments fantastiques, mais qui veulent léguer à une nouvelle génération. Alors, moi, je crois à l'espoir, je crois au travail, travailler dur pour assurer l'avenir. Puis si on fait les bonnes choses, je suis persuadé que dans 3-4 générations, il y aura encore du saumon sur la Matapédia, malgré les changements climatiques. Alors moi, ce que je promulgue pour sauver la Matapédia, c'est sortons les jeunes des écoles, puis allons dans la nature, pêcher, nager, faire des feux, coucher dans le bois. Apprenons à réapprendre la nature, puis si on fait ça, on va déjà faire un bon pas pour sauver le saumon. Et sauver la Matapédia. Et sauver la Matapédia. Est-ce qu'on peut sauver la Matapédia ou la Matapédia pourra nous sauver? J'aime mieux la deuxième option.